Salut tout le monde, j'espère que ça va comme vous voulez, c'est Gamayel et on se retrouve pour le week numéro 59 sur un jeu très dark, développé par Andrew Russell. Donc voilà, le jeu s'appelle Dark et on va commencer tout de suite car nous n'avons pas énormément de. Nous n'avons pas, pardon, énormément d'options à part commencer le jeu qui est assez spécial. Donc on contrôle ce petite bébête. Donc vous pouvez voir que tout est basé quand même sur la lumière. Et on doit récupérer ces. Étoiles, cristaux, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est un jeu de plateforme, hein, on le dirige avec le joystick de gauche et on saute avec A. Donc le saut est sensible à la pression, hein, petite pression, grande pression. Et y a de la physique, il y a de la lumière dynamique et on comprend pas trop ce qu'on fout là, ni le but, à part que c'est un puzzle games plateforme. Donc ça me fait vraiment penser à Limbo en premier lieu. Même si c'est vrai qu'on est loin de l'univers torturé et de Limbo, tant au niveau des pulses que de l'ambiance. Mais quand même, écoutez bien. Je vous laisse apprécier, comme en habitude, quelques secondes. Vous voyez que c'est assez spécial. Avec quelques notes de piano qui seront un peu plus nombreuses par la suite. Et donc là, voilà, le but c'est d'activer des plateformes. Il y a effectivement, comme vous pouvez le voir, beaucoup de physique. Hop, enfin, beaucoup de physique en même temps, il y a peu d'éléments. Mais la physique est là. Et vous allez voir, tac, si j'y arrive. Hein, parce que... Non, sérieux. C'est un peu Google là, non? Voilà. Et voilà, bon, faut récupérer encore une fois tous ces petites étoiles. Et j'ai fait de la merde. Vous allez comprendre pourquoi il faut aller de l'autre côté. Tout est basé sur des rouages, des mécanismes un peu étranges. Allez, encore un peu, voilà. Il y a des ascenseurs, plein de lumières de couleurs différentes. J'aime bien la gestion de la lumière, c'est vrai que c'est assez. Ça rajoute à l'ambiance un peu bizarre. Donc voilà, on va pousser ce rouage. Écoutez-moi cette musique digne de Minecraft. Voilà, donc l'ascenseur est activé, donc on va monter dessus. Et voilà, cet ascenseur, donc couleur verte, vous voyez, rouage vert, couleur verte. Et on va monter pour aller pousser un autre rouage qui va nous permettre d'activer un autre ascenseur. C'est très très étrange. Et voilà, c'est très minimaliste. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'ambiance. Et en fait, on sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'on fait. Ça vaut que 80 pour. 80%. 80 Microsoft points. 1 euro, hein, au cas où si vous le savez pas, depuis le temps que vous me regardez. Enfin, pour ceux qui me regardent, bien évidemment. Je vois rien, allumer la lumière. Où suis-je? Voilà, là, il y a des cristaux. Donc, est-ce que je peux sauter normalement? Ouais, je peux normalement. Voilà. D'ailleurs, il y a des escaliers, oui, c'est vraiment. Voilà, là c'est ce qu'il y a sur le. Ah, on a loupé l'entrée. C'est ce qu'il y a sur la jaquette, qu'on verra à la fin dans le générique de fin. Une sorte de labyrinthe cylindrique. En tout cas, le gars il avait quand même de la suite dans les idées. Hein. Il y a des créatifs, c'est quand même sympa. On va diriger cette chose à travers des labyrinthes bizarres pour récupérer des petites boules lumineuses. C'est quand même. Spécial. Merde, bon, j'ai pas récupéré ceux d'en haut, mais c'est pas grave. Dans la démo, ça ne sert pas à grand chose. Je les ai tous récupérés, je n'ai pas eu. Oula, quelque chose de plus. Donc bon. On va sortir. Hop. Oui. Faut attention de ne pas me faire enfermer quand même, ce serait dommage. On va pousser l'autre rouage qui va nous permettre de prendre l'ascenseur rouge. Enfin, vous voyez, c'est le genre de jeu, on n'a pas grand chose à dire dessus, ça se voit. Voilà, au premier coup d'œil, on voit un peu le délire. Allez, hop. Voilà, et vous voyez que le. Voilà. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment de la physique, vous voyez, qu'il y a vraiment. Voilà, je peux les bloquer, je peux le refaire sortir si j'ai envie. On va rester là, on va prendre l'ascenseur.
Oui, c'est le genre de jeu où on ne peut pas vraiment dire grand-chose, il n'y a pas énormément de possibilités d'écrire l'histoire, ça. Voilà. J'en sais pas plus que vous. Voilà, ça fait partie des petits ovnis qu'on trouve des fois, même souvent, sur Xbox Live indépendant. Ça change des shooters et compagnie, shoot horizontaux, verticaux, transversaux, voilà. Et d'ailleurs, ça change aussi d'un oui que je vais vous présenter normalement. C'est le Wing numéro 60, je crois, qui va être un peu plus détendu. Je ne sais pas, j'ai pas ma petite checklist en fait. Parce que bon, voilà, je passe ça au jour le jour. Normalement, des fois, je pars en expédition, je ramène toute une tripotée de Wig, enfin de jeux indépendants, que ce soit PC maintenant, du coup, ou console. Donc la Xbox, donc le PSN, je sais pas, je trouve pas, il y a un truc, il faut qu'on m'explique, je sais qu'il y en a, mais. Enfin, il paraît qu'il y en a, mais c'est moins développé. Hop! Donc je prends toute une tripotée de jeux indépendants, puis après, voilà, je les essaye tous, et sur une feuille, bah, j'écris ceux que je retiens, et après, on va dire, je les organise par rapport aux dates, pour éviter que vous ayez, genre. 3 semaines d'affilée et c'est fini. 3 semaines d'affilée des shooters ou 3 semaines d'affilée des jeux de caisse. Donc voilà, c'est en gros là tout est préparé. Normalement j'ai le planning jusqu'à décembre, fin décembre. Et ça ne change rien à la qualité des wigs, ça ne change rien à ma. Enfin ça m'arrange pour moi au niveau de la méthode. Mais voilà, je suis toujours aussi sévère et j'ai pas changé mes critères de sélection. Donc voilà pourquoi je sais déjà que. Un wig, normalement le prochain encore une fois, sera plus détendu. Il me semble, j'ai pas dit sous les yeux, mais il me semble. Voilà, bref, ça s'appelle Dark. C'est étrange. Et ça vaut 80 Microsoft points, soit 1 € sur Xbox Live indépendant. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, sur l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, car moi je n'oublie pas. Allez, tchuss.